La grosse colère de Kylian Mbappé sur son poste au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire son poste de pivot avec le club de la capitale française. Il faut rappeler que Kylian Mbappé actuellement n'est pas du tout prolifique avec le club français. Samedi soir, après le match nul concédé face à Reims, le numéro 7 parisien a posté une story sur Instagram dans laquelle le hashtag PivotGang a beaucoup fait parler. Kylian Mbappé est contrarié. Il faut dire que c'est assez régulièrement le cas depuis le début de la saison. Après avoir prolongé cet été au Paris Saint-Germain et avoir été placé au centre du projet du club de la capitale, le buteur français nourrit de grandes ambitions avec son club. Et sur le plan personnel, sur le plan statistique, Kylian Mbappé a pourtant tout pour être heureux. Auteur de 11 buts en 12 matchs, toutes compétitions confondues, Mbappé est co-meilleur buteur de la Ligue 1 avec Neymar et Mofi, mais réalise surtout son meilleur début de saison sur le plan statistique depuis 2018. Oui, mais voilà, quand Kylian Mbappé a un message à passer, il le fait, et celui du moment concerne son positionnement en club. Il faut rappeler, il y a de cela quelques semaines, en équipe de France, Kylian Mbappé avait évoqué son poste du côté du Paris Saint-Germain. Il avait fait la comparaison entre l'équipe de France et le club de la capitale française. Il avait évoqué « Je joue différemment. On me demande d'autres choses en équipe de France par rapport à mon club. J'ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Olivier qui occupe les défenses et moi, je peux me balader et aller dans l'espace. À Paris, c'est différent. Il n'y a pas cela. On me demande de faire le pivot. C'est différent », avait déclaré l'international français avec France-Autriche il y a 2 semaines. Un pavé dans la mare, pas vraiment. Kylian Mbappé a récidivé ce samedi soir après la rencontre face à Reims en publiant sa story étrange sur son compte Instagram et qui risque de remettre le feu aux poudres. L'international français a posté une story dans laquelle il a posté 2 hashtags, ici c'est Paris et PivotGang. Le second a bien évidemment énormément fait parler, à tel point que le buteur français a ensuite retiré sa story, et c'est une autre, encore une fois, qu'un message à l'encontre de sa direction. Le journal parisien révèle que Kylian Mbappé actuellement est très en colère envers les dirigeants du club de la capitale française. C'était par rapport aux promesses faites il y a de cela quelques semaines pour qu'il puisse prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, selon le média français qui annonce que Mbappé est très remonté contre son positionnement depuis le début de la saison et donc contre ses dirigeants qui n'ont pas fait venir un attaquant capable de jouer en pivot. L'international français est très insistant concernant ce problème, mais selon le quotidien francilien, les dirigeants du club de la capitale préfèrent positiver avant le choc contre Benfica. Demain soir, aucune sanction n'est à prévoir pour la sortie embarrassante de Kylian Mbappé, comme est en mesure de le confirmer également l'équipe. D'après le quotidien sportif, au sein du club de la capitale, on convient qu'aujourd'hui, Kylian est le seul joueur de l'effectif qui ne joue pas à son poste avec Danilo Pereira. Les sorties médiatiques de Mbappé semblent donc payer leurs fruits et trottent dans la tête des dirigeants parisiens qui doivent certainement déjà plancher sur une solution pour améliorer cette situation. Selon vous, chers amis, Mbappé peut-il être prolifique avec son poste de pivot au PSG?